toucher dans le vide, tu vas toucher avec conviction. Ta perte de sang, on le sait que c'est quelque chose qu'on peut reprendre aujourd'hui, mais peu importe ce qui est en train encore de couler encore. Il y a quelque chose qui est en train de te vider de tes forces. Tu en as marre, tu en as marre. Le Saint-Esprit dit, tu as raison d'en avoir marre. Parce que je t'ai donné la parole de l'Esprit. Maintenant, il va falloir que tu puisses toucher. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas là où ça continue à saigner, mais en tout cas, ce matin, l'hémorragie est stoppée dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est puissante dans le nom de Jésus. Et ce matin, tu vas recevoir cette puissance. Oui, tu as déjà ressenti cette guérison. Tu l'as ressenti, c'était instantané. Mais le Seigneur aujourd'hui veut rendre cela perpétuel. Parce que tu t'avances devant lui. Seigneur, c'est moi qui t'avais touché, Seigneur. C'est moi qui t'avais touché. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu restes concentré. Vois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Vois sa grâce dans ta vie. Père éternel, je te demande à ce que ta grâce puisse tomber sur la vie de chacune des personnes ici, dans le nom de Jésus. Appelle la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Dis, Seigneur, j'appelle ta grâce maintenant dans ma vie. Que ta grâce me touche maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu touches dans le coup des accomplis. Alléluia.